Caractère. Caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et sont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement Sont et ils ont semblables aussi le même physiquement. caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et sont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Working hard. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. My son and my son and my husband look alike physically, and they also have the same character. Okay. Un peu de son caractère. C'est une femme généreuse et intelligente. Elle est spontanée, optimiste, quelquefois un peu têtue et très Têtu. stubborn, yeah, têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. C'est impossible de faire changer de vie. Tu es trop têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. 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 Très désordonnée. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Désordonnée. Elle est sportive? Oui, elle est très sportive. Elle va au centre de fitness tous les lundis, elle joue au tennis le jeudi et elle va à la piscine tous les vendredis. Et ton mari, il est comment? Mon mari est très gentil, intelligent et un peu pessimiste. Pessimiste. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. What impossible? Still having difficulties pronouncing the word impossible in French. So why don't we check the dictionary with IPA symbols? Impossible. Impossible. Oh, it's not impossible. It's impossible. Impossible. No, no, notice the nasal vowel here. Oh, impossible. Oh, impossible. 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 Impossible à faire. Impossible l'affaire. Impossible à faire. Impossible l'affaire. Problème impossible à résoudre. Problème impossible
plaît à l'exode. Problème impossible à résoudre. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Et comment sont tes enfants? Mes enfants sont adorables, mais très remuants. Remuant, remuante. Remuant, remuant. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Elles sont remuantes. Remuant, remuante. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Qui bouge toujours? Qui bouge toujours, who always moves. Remuant. Rowdy, yeah, rowdy, energetic, rowdy. Remuant. Remuant, remuant, remuant. 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 Remuant, remuant. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Dès qu'il fait beau, ils vont jouer dehors. Watch the video one more time. Et Moira, ta petite amie, parle-moi un peu de son caractère. C'est une femme généreuse et intelligente. Elle est spontanée, optimiste, quelquefois un peu têtue et très désordonnée. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Elle est sportive? Ah oui, elle est très sportive. Elle va au centre de fitness tous les lundis, elle joue au tennis le jeudi, et elle va à la piscine tous les vendredis. Et ton mari, il est comment? Mon mari est très gentil, intelligent et un peu pessimiste. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Ordonné. Du tout faire le... Désordonné. Cet enfant est désordonné. Il ne range jamais sa chambre. Ménage. Elle est sportive? Ah oui, elle est très sportive. Elle va au centre de fitness tous les lundis, elle joue au tennis le jeudi, et elle va à la piscine tous les vendredis. Et ton mari, il est comment? Mon mari est très gentil, intelligent. Mon mari. Husband. Mari. Mari. Bon, et un peu pessimiste. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Et comment sont tes enfants? Mes enfants sont adorables, mais très remuants. Dès qu'il fait... Adorable. 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 Cute. Adorable. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps. Il est vraiment adorable. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps. Il est vraiment adorable. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps. Il est vraiment adorable. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps.
Il est vraiment adorable. Elle est vraiment adorable. Vraiment, vraiment. I know it means really, but just need to check its IP. Vraiment. 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 Excuse me. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps. Il est vraiment adorable. C'est beau, ils vont jouer dehors. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être, quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Oh, so close. Serious minded. Sérieux. Got a glitch in my IPA processor, so why don't we check the IPA table? Nasal. Not sure if it's nasal or not. Sérieux. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être, quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être, quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être, quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être, quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Sérieux.
Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informatique. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un... Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Souriant. Smiling. Souriant. Souriant. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Remember to add S. Lucky guess. Do you know the words of the lesson? Connaissez-vous les mots de la leçon? Connaissez-vous les mots de la leçon? Sympathique. Possible de frère dans une tour trop têtu. Têtu, yeah. Stubborn, têtu. Avec Paul, tu l'aimes toujours bien. Il est très. Optimiste. Optimistique. Cet étudiant a fini ses études deux ans, 10 ans avec les autres et le frère. Intelligent. Les nouvelles de la maison en train. Les nouvelles
de Marie s'est entré et senti être son peu de près un an. La nouvelle de ma mère, la nouvelle Marie de ma mère s'est près entré et senti ensemble depuis un an. I remember, you know, an identical saying from another lesson in this French learning program. So I can recall it. It must be Matthew. Thank God I got it. Sa petite amie et petite la cuisse. Ses enfants est ses enfants est Rémuant, désordonné, sportif, sportif, ce bébé n'a pas de besoin à deux balles. Oups, c'est son prince de son remuant. So close, remuant. Forgotten this. Factor Emmanuel de tous ses créés pense qu'elle est très dans son bureau, tu es classé ange, nettoyé, c'est enfin prêt. Ordonné. Oui. J'en ai un.
donc failed. Oh, 40. Gentil, gentille. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Il ne mord pas. This dog is very good with children. He doesn't bite. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Chien, chien. 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 Chien, 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 chien. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec son enfant. Il ne mord pas. Gentil, gentille. Gentil, gentil. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. But it's true. This sentence says this dog. This sentence here talks about a dog, but instead the picture here shows us a cat with a child, you know. So this lesson can be so confusing. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Il ne mord pas. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Têtu. Têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. Optimiste. Optimiste. Avec Paul, tout va toujours bien. Il est très optimiste. Intelligent. Cet étudiant a fini ses études 2 ans avant les autres. Il est très intelligent. Marie. Le nouveau mari de ma mère s'appelle Antoine. Ils sont ensemble depuis 1 an. Le nouveau mari de ma mère s'appelle Antoine. Ils sont ensemble depuis 1 an. Le nouveau mari de ma mère s'appelle Antoine. Ils sont ensemble depuis 1 an. Ils sont ensemble depuis 1 an. Le nouveau mari de ma mère s'appelle Antoine. Ils sont ensemble depuis 1 an. Ils sont ensemble depuis 1 an. Petite amie. Petite amie. Sa petite amie est très jolie. Et elle a l'air vraiment amoureuse de lui. Sa petite amie est très, très jolie. Elle est vraiment amoureuse de lui. Désordonnée. Désordonnée. Cet enfant est désordonné. Il ne range jamais sa chambre. Cet enfant est désordonné. Il ne range jamais sa chambre. Cet enfant est désordonné. Il ne range jamais sa chambre. Il ne range jamais sa chambre. I beg your pardon. Just browsing some shit on Flickr. Some images to fab on Flickr. I beg your pardon.
your pardon for showing more personal part or space of mine in this filming session. This child is messy. He never cleans his room. Sportif. Vous faites du badminton, du football et de la natation. Vous êtes très sportif. Adorable. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps. Il est vraiment adorable. Ce bébé ne pleure jamais et sourit tout le temps. Il est vraiment adorable. Il est vraiment adorable. Adorable. Remuant, remuante. Remuant, remuante. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Tranquille. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille. Tranquille, tranquille. 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 Ces jumelles ne peuvent pas rester tranquilles 2 minutes. Elles sont remuantes. Je ne peux pas rester tranquille 2 minutes. 2 minutes. Elles sont remuantes. Caractère. 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 Maybe the test cut me some more slack again since I suppose I typed this one here wrong, so... Character... Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Caractère... Mon fils et son mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Mon fils et mon mari se ressemblent physiquement et ils ont aussi le même caractère. Reading on. Caractère. Spontané. 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 You don't quite get it. Who does things without thinking? Qui fait les choses sans réfléchir? Qui fait les choses sans réfléchir? Qui fait les choses sans réfléchir? Not sure about this one, so let's look up the dictionary again. Réfléchir. 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 Spontané. Emmanuelle dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuelle dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuelle says everything she thinks. She is very spontaneous. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense.
Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce que les pères pensent. Elle est très spontanée. Emmanuel dit tout ce qu'elle pense. Elle est très spontanée. Ordonnée. Dans son bureau, tout est classé, rangé, nettoyé. C'est une femme très ordonnée. In his office, everything is classified, tidy, cleaned. She's a very orderly woman in his office. So is she a female? That's quite funny. Orderly. Evidently, she looks feminine. But here the translation. Google translation here says in his office. So which one should I believe? That's quite disgrace. Généreux. Généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Est très généreux. Generous. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il est très généreux. Checking its IP. Généreux. Généreux. Pessimiste. Pessimiste. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Let's retake the test. Right now. Right here, right now. Gentil. Sam, yeah. Impossible. Twit, têtu, têtu, têtu. Yeah. Avec Paul, tu dates, va toujours bien. Elle est très. I forgot this one. Optimist. Yeah, lucky guess. Intelligent. La nouvelle mari de ma mère s'appelle Antoine. Elles ont plus depuis un an. Ça est ton petit ami. Ah, shit.
Très sportif. Évidemment, pas de balle. Ah, it should be feminine, you know. Feminine. Remy want. Yeah, I missed a E here. Such a disgrace. So close. Character, yeah. Mon fille et mon mari sont exemples physiquement et ils sont aussi les mêmes caractères. Character. Yeah. Bingo. Spontane. Spontane. Got the typo here. Ordonnée. Yeah. Les pages tout ces cuits-là, il est très jaune. Les gens difficile. I forgot this one. Unfortunately. Difficile. Impossible. I don't know. Pessimist. Oh, so close. Still not passed. Let's do it again. Gentil, yeah. C'est impossible to tétu. Avec moi, j'en ai très optimiste. Étudiant à peine 16 étudie tout ans avec les autres. Elle est très intelligente. Le nouveau mari du même s'appelle Antoine. Ils sont en plus depuis un an. Petit ami. Oh, still got that one. Sister. Désordonné. This one is quite tricky. Yeah. Sporty. Vraiment adorable. Remy, they are quite rowdy. Yeah.
Rowdy, Romeo, and yes, because it's feminine. Yeah, elle est son Romeo. Some character, and meow the two secret que elle pense, elle est très en spontané. Yeah. Elle est une femme très ordonnée, féminine femme. Pessimiste. Shit. Well, at least I passed it. Yeah, thank God. Yes, I passed this test and lesson finally. Praise the Lord. Amen and amen. That's quite tough. Shall we try another one? Try this one. Petit, so this one is this exercise is about conjugation, yeah, conjugation between different genders in French. Grand, mon fils est très grand. Oh, it's feminine. It's masculine. Yeah. I forgot it. I didn't actually pay attention to this one. No change. Japanese. Pressonante. Ah, joli. Oh no. Need to review this one actually before I can attempt to pass it. Never mind, let's save that for later. And thank you very much for watching, listening and staying with me until the end of this video. Until next time. If God's still willing. Au revoir. Cheers.